Là, je commence à avoir peur, là. Esteban, ne t'inquiète pas. Oh non. T'as encore acheté une perruque? Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on est... On est là pour vous. Je sais pas si on va être content ou pas pendant très longtemps, parce qu'aujourd'hui on va faire une bêtise. Une capillaire, bêtise. Une bêtise capillaire. Peppa Pink est partie depuis ce matin. Il va revenir tout à l'heure. Et regardez ce qu'on a acheté. Une décoloration. Alors vous avez peut-être vu avant de cliquer sur la miniature, je vais me décolorer les cheveux. Donc je sais pas le résultat. Ça tombe, ça va être jaune pépé. Ça tombe, ça va être blanc. Ça tombe, ça va être multicolore. Ça tombe, on sait pas. Ça tombe, je serai chauve. Vous verrez à la fin de la vidéo. Comment faire la décoloration? Alors pour l'instant, je comprends pas vraiment parce qu'on est sur de la poudre. Oui, c'est de la poudre. On est sur une team poudre. Ensuite, il y a des produits à appliquer, il y a un bol, on dirait qu'elle va préparer des crêpes. Voilà, c'est ça, préparer des crêpes. En vrai, c'est des crêpes pour cheveux. Alors vas-y, donc apparemment, il faut mettre la moitié de ce sac-là dans le bol. Et après tout ça. Un truc comme ça entier. C'est assez simple, voilà. Comme on vous laisse, regarder l'Iros préparer, à tout de suite. Alors la moitié, gâche pas tout, hein, parce qu'on peut en faire deux. Attends, je regarde s'il y a un peu plus quand même. Voilà, je pense que c'est bon. T'es sûr à la moitié? Ouais, parce que là, j'ai jamais été aussi poussé dans un salon coiffure. Voilà, c'est bon. Voilà, là, on va dire il y a la moitié. J'ai pas des cheveux très courts, j'ai quand même les cheveux, pas longs non plus, mais... Et maintenant, tout ça. Ouais, de l'oxydant, voilà. Ensuite, faudra mélanger avec la spatule. Voilà, donc... Et la mixture sera prête. Tout. Bah c'est bon, là, il y a tout, là. Non? Là, je sais pas. Là, je commence à avoir peur, là. On va pas s'embrouiller. Oh, l'odeur. L'odeur. Ah, ça pue le camembert. Non, ça sent le... Non, sens pas, arrête, mélange. On mélange, je sais pas. Ça a une odeur sucrée un peu, non? Non. Je vais être blond là, ça va être noir. J'arrête pas de regarder des TikTok genre qui massent la tête avec, pour faire des shampoings comme ça et tout. Bref. Imagine, tu vas à l'hôpital. Ouais, j'ai vu un TikTok, je peux vous opérer du cœur. Non mais vous inquiétez pas, les amis, j'ai la technique. Non mais vraiment. Tu l'as déjà fait sur combien de personnes avant? Sur combien de personnes? Zéro. Combien de personnes? Zéro, bah t'es le premier. C'est bon. Là, j'ai mes gants et je suis prête à appliquer. Moi, je voulais le gant bleu. Bah, tant pis, puisque c'est une pas robe bleue. Allez, c'est bon. C'est parti, les amis. Attends. C'est quoi avec... Tu vas pas m'appliquer avec la. Mais non. Avec tes mains. Mais avec tes mains, fais pas ça mal. Hein. C'est pas une spatule de quoi. Mais t'inquiète pas, je sais comment je vais faire. Tu fais ça avec tes mains. Oui, mais je sais comment je vais faire. Non, j'enlève la spatule. Ok. Voilà, tu fais pas ça avec la spatule. Tu commences pas. Tu ne commences mais pas je prends comme à ça me avec choper par le callback parce que. Oh, il y a que des. Allez. Attends. T'inquiète pas, ça va être bien. Non, oh non, non. Mais je sais, j'ai vu plein de TikTok de professionnels. Mais faut faire mèche par mèche, mais ça. Mais je fais mèche par mèche. Ça va être beau, je te promets, ça va être beau. Je viens chez toi, je te coupe les cheveux. T'inquiète pas. Esteban, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Je m'inquiète. Si. Oui, il faut s'inquiéter là. Ça va aller. Oh voilà, là ça commence à être bien. Hop. Bon, est-ce que tu te sens toujours aussi serein qu'il y a ça? Bah, c'est horrible. C'est horrible. Ça commence à piquer ou pas en vrai? Non, ça va. Bah surtout aux endroits où il n'y a pas de cheveux en fait, parce qu'il y a un plus sur mon cou, là où il n'y a pas de cheveux que... J'essaye de bien toucher. Parce que là je suis en train de me dire, à tout moment il y a tellement rien, qu'à tout moment il y a juste une légère déco, il y a juste des reflets quoi qui sont. Bon après c'est ça, c'est pas... par contre, il y en a en bas, donc si tu penses que... Ah bah là elle est même pas la moitié hein. J'espère juste que je suis pas allergique quoi. C'est magnifique, hein, franchement. Là, ça commence à être partout. Ah, t'en as mis sur mon téléphone, t'en mets partout là. Mais partout. Eh, fais gaffe là, t'en mets partout. Par contre, je pense qu'il faudra un deuxième parce que là, il y en a presque plus. Hein. Bah, faut que tu remontes un deuxième vite tout de suite. Bah, vas-y, fais-le. Donc là, les amis, on en a refait une parce qu'il y en avait pas. Si, regardez ça tout là. Là, je parle même plus, ça brûle. Ça brûle. Bon, non, ça va, mais. Parce que les amis,
Ne faites pas ça chez vous si vous voulez. Bah, nous sommes des professionnels, bien évidemment. Voilà. Déjà, si vous êtes mineur, faites pas ça sans demander à vos parents. Oui, parce que moi, moi, j'ai demandé à Esteban qui est. Bah, j'ai un peu 20 ans, quoi, donc. Voilà. Donc là, on se reprend un peu. Un peu, c'est déjà bien blond. Hein. Bon, les amis, voilà, c'est appliqué. La Lily Rose est partie chercher du cellophane. Ça pique un peu. Voilà, ça fait pas très mal, mais ça pique un peu, surtout sur le dessus de la tête. Donc là, on a déjà mis le chronomètre. Il reste 35 minutes précisément avant la fin du game. Donc ça sera le rinçage, tout ça. Et apparemment, alors, Jérémy est derrière la caméra, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Apparemment, ça devient déjà blond, un peu. Ouais, là, en fait, le... Après, il faudra juste voir, en fait, 50 minutes, ça se trouve, ça va prendre avant comme après. Là, de ce que je vois, bon, j'ai l'habitude... Bah, de toute façon, elle m'a dit 45 au magasin de coiffure, elle m'a dit 45 minutes, maximum 50. Ouais. Donc, à bout de 45, moi, je vais couper. On va déjà regarder, mais en vrai, ça prend de ce que... Voilà. Faudra que je regarde. Bon, alors là, les amis, regardez sa tête. Ouais, regardez, attends, c'est toi, quasiment blond. Tu touches plus, regardez la densité des cheveux. En tout cas, ça prend très très bien, franchement. Voilà, donc ça va, parce que là, ça me piquait un peu au début, là, ça me pique presque pas. Donc c'est plutôt chill, comme là, on dit. Là, c'est bientôt prêt, on va bientôt enlever la... Non, mais on parle pas de cuisine, là, c'est bientôt prêt. Le voilà, donc va dans, sortir, dans 8 minutes, je vais me rincer et on va voir la réaction de Peppa Pink, parce que c'était aussi un petit prank. Voilà, on a fait un salon de coiffure express pour le pranker. En plus. Ouais, il n'est pas encore rentré, donc j'ai hâte de voir sa réaction. Et bon, d'ailleurs, on va se retrouver tout de suite pour le résultat. Parce qu'on va pas vous montrer quand je vais rincer, c'est pas très intéressant. Donc, résultat. Bon, voilà les amis, c'est bon, on est quelques heures plus tard. On est le soir, là. Ouais, voilà, on est le soir et Peppa Pink attend dans le couloir. On attend de lui faire découvrir. Alors, on lui a dit qu'il y avait une surprise. Bon, regardez, ben voilà. Oh là là. Voilà, vous avez vu... Dites-nous en commentaire si vous aimez bien. Ouais, voilà, voilà. Donc, il sait pas encore de quoi il s'agit. Attention. 3, 2, 1. Tu peux arriver. Tu peux venir ? Ouais. Alors, c'est quoi ? Oh non ! T'as encore acheté une perruque ? Non. De quoi ? Bah non, si. C'est des vrais cheveux. C'est quoi, pas une perruque. Mais c'est des vrais cheveux. Sérieux ? Bah oui. Bah ouais. Ah bah ça va quand même. Ah bah ça va quand même. La réaction. C'est du vrai ? Ah bah ouais, oui. ouais. Et t'as fait ça quand ? Tout à l'heure alors ? Ah bah oui. Ouais. J'ai pas fait maintenant. Et c'est ça la surprise ? Ouais. Enfin, la dis donc, quelle surprise ! C'est le prank quoi. Ouais, bah dis donc. Voilà. Et alors qu'est-ce que t'en penses, Olivier Rose ? Bah c'est. C'est différent, beau. C'est pas pareil voilà, quoi. C'est. Ouais, voilà. C'est... On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, on va dire. Hein ? Bah, je vais peut-être essayer aussi. Non, peut-être. Une autre vidéo, les amis. Bon, en tout cas, voilà, vous avez vu le pire salon de coiffure de Lily Rose. Ah, parce que vous avez fait ça ici. Ah, bah oui. Hein. T'as pas été on chez espère le coiffeur. Et que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et le plus important, les amis, cliquez sur une vidéo qui apparaît juste ici. Ou cliquez, allez voir une autre vidéo sur la chaîne. Ça nous ferait très plaisir. À la prochaine. Bye bye. Bye-bye.